C'est parti, bonjour, bienvenue sur Binding of Isaac, Repentance. Nous allons continuer à progresser dans le jeu. En fait, je sais pas trop quoi faire dans le jeu. Parce qu'en fait, bah, vu qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire et tout, c'est un peu compliqué. On peut pas se dire, tiens, on va essayer de faire ces défis, tout ça. Alors, il y a un challenge qu'on a toujours pas fait. Il faut que je sois un peu plus chaud, je pense, parce que le challenge, il est un peu raide pour moi. Faut que je m'habitue au jeu, même si l'autre jour, franchement, on avait bien avancé. Alors. Donc on va tenter Bethany. Je vais tenter Bethany. On va tenter de faire des chests, des dark rooms. Parce que voilà. Donc c'est parti, on attaque sur du raid. Alors est-ce qu'on s'amuse à... Ouais, on va starter un truc. On va starter un bon objet. Comme ça on va pouvoir progresser. Parce que le but est quand même de progresser. Moi je m'en fous hein, quand je suis en off de mettre 50 ans à faire des jeux. L'idée c'est de progresser un peu. Par exemple ça c'est un objet de merde. Ah quoique non c'est moins un objet de merde maintenant. Parce que... Vous voyez on peut le... Ah, je crois qu'on peut l'envoyer non? Comment ça marche? Attends faire. Ouais, il me suit. Attends, comment on fait? Ah merde, bon, moi j'ai utilisé tout mon truc. J'ai vu un gif où les mecs ils les envoyaient. Ah non, mais attends, c'est peut-être pas celui-là. Si c'est celui-là. Que je passe à travers une clé. Attendez, on va juste essayer pour voir. C'est juste pour le. LOL, sinon je vais pas jouer ça. What? Ah ouais, quand ils brûlent, ils sont encore plus vénères. D'accord. Et les Burning Basement, ça. Merde, mais j'arrive pas à le balancer. J'ai vu qu'il y a des mecs qui le balançaient. Enfin, c'est peut-être avec un autre objet. Enfin, fais gaffe. J'ai pas de clé. Il y a une bibliothèque d'entrée. Ah, une bibliothèque d'entrée. Hein. Une bibliothèque d'entrée. Ah, j'ai vu qu'on pouvait débloquer le. Yes. Qu'on pouvait débloquer le livre de Bethany. Pédial. Je suis déjà Bookworm. Attaquer Bookworm, c'est pas mal, hein, je pense. Hein. Allez. Ah, elle avait aucune raison de me faire toucher. Magasin gratos, donc. Regarde, c'est Diplopia. Merci. Et. On va le prendre. Ah, je suis dans un XL? Non, je suis pas dans un XL, c'est juste que j'ai ramassé une... Bon. Les shields de tirs, bon, c'est de la défense, c'est plutôt cool. Ouais, il y a moyen, là. Attention. Hein? Attention au coffre aussi, hein. Je me fais avoir souvent. Alors, je fais pas de... J'ai rien fait en off, hein, sur le jeu. Rien fait en off, il y avait juste là, sur le coup, alors, pour ceux qui étaient sur YouTube... le grid mode, que heureusement je l'ai fait en live. Ah, je l'ai fait en live. J'ai envie de dire, après, c'est qu'un grid mode, je peux faire le grid gear d'ailleurs. Merde. Vous voyez les shields de tierce qui annulent les larmes ennemies. C'est trop bien ça. Ça fait partie des objets qui sont très bien et pas pétés non plus. Enfin, pas pétés tant que t'as pas un. T'as pas un. De malade. Après dès que tu tires comme un dingue, ouais après t'annules toutes les larmes de, par exemple de Satan, le méga Satan et hop. Alors, pour l'instant on va laisser comme ça, on a le score, on a le temps qu'on met, comme coup d'objet. Ah mais si on peut mettre la map grosse comme ça, le temps et tout, bah si c'est bon en fait, le jeu est bien. J'ai pas besoin de gueuler. Moi j'aime bien avoir le temps. On va laisser la map comme ça. Hein. Là, vous voyez bien les objets. Alors, la map est un peu plus grosse mais bon. T'en fous, hein. Vous voyez la même chose que moi, moi ça me dérange pas. Vous êtes assis dans le canapé à manger trop. Pendant ce temps, moi, j'en chie. Ermite, on s'en fout. Allez, c'est parti. Génial. Un peu de dégâts. Oh là là, rien à foutre de ta larme. Faut juste que je fasse gaffe quand il me force dessus, voilà. Ah oui, en plus, regardez, ça me fait des flammes de l'enfer, quoi. Oui, en fait, avec les livres, c'est très synergie, de près ce que j'ai compris.
Ouais. Agréable. Je connais pas celui-là. En forme de cœur. C'est en forme de cœur, non? Putain, j'ai failli partir dans le... De toute façon, je pouvais pas y aller. On va pas aller dans le downpo. Le but, c'est au moins de faire un chest, là. J'aimerais bien au moins faire un chest. Aujourd'hui, c'est un objectif. J'aimerais bien faire au moins 2-3 défis de... Enfin, 2-3 objectifs de Bethany, quoi. Et là, franchement, actuellement, j'ai le build qui peut... Là, c'est la curse. Donc, c'est bien la spatule... Enfin, c'est pas une spatule, c'est une lime, l'autre jour que j'ai eu, là, qui m'a empêché d'avoir les... Voilà. Attention avec le faux follet. Follet qu'il faut pas qu'il touche, sinon ça les fait péter. Je pourrais bourrer un peu mes feux follets, hein, mais... Ouais, je vais bourrer un peu les feux follets parce qu'ils vont tourner autour de moi, je vais avoir des orbitaux de protection, voilà, un rip. Ouais. Après, j'imagine qu'avec le Book of Bedial, c'est des feux follets qui font très mal. Je sais pas. Enfin, c'est bien, là, quand il y aura les wikis, que les mecs, ils auront compris. Le but de ce jeu, c'est pas de regarder toujours les solutions. Moi, je la regarde pas du tout actuellement. Je kill, ça me donne de la vie. Très bien. Un peu de dégâts. Donc, on va faire des kills. Hein. Ah merde, je suis con. J'ai balancé le follet dedans. Ça va être un peu dur, Bethany à jouer, je pense, mais c'est comme tout, il faut ça apprendre. Au début, moi, j'en chiais contre... Ah, j'ai perdu mon... Alors, Bethany qui attaque avec des Angel Room d'entrée, elle. Hein. Donc là, bon, 48% d'Angel Room. Bethany, c'est l'Angel Room par excellence, donc en fait, c'est le perso qui sera pas chiant si on se fait pas toucher. À jouer Mega Satan. Enfin, après, voilà, il faut pas se faire toucher, quoi. Mais Mega Satan, ça se débloquera facilement avec ce personnage. Putain, c'est une salle parfaite, ça compte. C'est infini là. Attends, ça n'est pas clair. Hein. J'ai pas clair parce qu'en plus. Un peu de thunes, voilà, j'arrive pas à finir mes phrases, c'est cool. Pouette. Et bon. Ah, bah, je pensais que ça tuerait. C'est vrai que c'est un peu chiant la map là. Bon, après, je peux, voilà, je peux rétrécir comme ça. De temps en temps, on va faire comme ça. Intéressant, je pourrais bomber le merdier là parce que c'est quand même une machine. Ouais. Ça me fait 13 balles. Est-ce que j'ai envie de prendre le. Ah oui, c'est vrai que j'ai les ermites quand même. Hein. Oulala! Serrage de fesses. Non, j'ai hésité. J'ai douté. J'ai douté. Pas grave. Pas grave, j'avais déjà perdu mon... Ah, faut que j'apprenne à vraiment pas me faire toucher, quoi. Faut vraiment que je prenne mon temps. Pas grave, hein, le boss rush, pour l'instant... Ah, Eggman peut pas trop me faire chier sans le papier, normalement. Il va quand même me faire chier parce qu'il a invoqué plein pot et que j'ai pas de dégâts, quoi. Ah, si le bookworm est sympa avec les... Ouais, faut que je fasse gaffe quand même. J'ai vraiment pas un tirail de malade. Je comprends plus les stats, elles sont plus écrites comme avant. Ça, c'est dommage, j'aurais dû le laisser comme avant. On fout que ça marque 10 000 de dégâts.
là là, mais je suis nul. Se faire toucher dans la salle de boss, ça t'enlève encore des pourcentages. 23%, c'est 100%. Ah, faut que je le tue, comme ça il invoquera père. Ah, mais ça tue toutes ces bestioles quand on le tue maintenant. Déjà, j'ai de la vitesse. Ça va me permettre d'esquiver un peu mieux. J'ai même pas utilisé Cove Bédial. Je suis nul. C'est pour ça que je suis nul, vous voyez. C'est des erreurs comme ça qu'il faut pas que je fasse. Ah, j'ai failli me faire toucher aussi, vous voyez, j'ai hésité sur l'esquive. Voilà. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Oh putain. Les flottes de cave toujours, hein, putain. Ah, je le tue là parce qu'il me saoule. Le larme, ça fait très bien. Voilà. Yes. Allez. Ah, eux, sont chiants. Mais pas quand on peut annuler leur larme. Ah si, parce que j'ai pas de vitesse de larme. Oh là là, mais j'ai pas de dégâts, ça. C'est barre. L'Angel Room, on fera pas un gars Satan dans cette run. J'annonce. Ah là, j'aimerais bien améliorer ma cadence de l'arme. Ça me ferait un build défensif du tonnerre en fait. C'est même pas du dégât qu'il me faut actuellement. Vraiment, augmentation de cadence de l'arme. Comme ça, protection contre l'arme ennemie. Ah, donc il va me niquer mon truc si je me fais toucher, mouche de merde. Hop, Gemini. Ah non, c'est Piscès. Ah bah c'est du tierce, donc c'est bon. Ah oui, les larmes sont plus grosses, mais pas forcément plus de dégâts, mais c'est pas mal. Parce qu'en fait, bah c'est vraiment un build défensif là, qu'on me donne. Yes. Ah, un sac. Allez, dégage. Ok, Zerm. The Hermit. Pas acheter, j'ai pas rien. Ah, déjà, je l'ai ram. Un HP up. Un HP up, je vais l'acheter parce que de toute façon, avec ce personnage-là, on ne peut avoir que des cœurs rouges. Hein. C'est. Ok. Aïe, aïe, aïe. Vache, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai vu des gens qui se plaignaient sur Twitter, à Macmillan, que le jeu était trop dur. Mais qu'est-ce qui nous empêche de jouer en normal? C'est ça, mais en fait personne ne veut jouer en normal, vous voyez. Et un peu con. Moi, justement, tant mieux, le jeu, en fait, on va s'y habituer. Hein. La version Flash de base était ultra dure. Il l'avait facilité. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est quoi? C'est pour ça qu'on arrive à des streaking de malades sur Eden ou je sais pas quoi. C'est parce que le jeu est trop simple. Ah non, c'est un booster card. Donc, convert machin. Quoi, c'est les. Tard. Et je le garde pour la prochaine phase. Bon, du coup. Oui, c'est un booster de cartes en fait. C'est plutôt cool ça. C'est vraiment quand tu drop 5 cartes d'un coup. Flooded Cave, hein. De toute façon, déjà de base, j'ai jamais aimé. Donc,
On n'est pas là pour aimer. Hein. On est là pour détester ce jeu, visiblement. Faut détester ce jeu. Là. Attention. Ouais, c'est ma première run, je me chauffe jamais, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, je lance direct comme ça, à sec, rien à foutre. Ouais, le grid mode hier était simple. Ouais, mais là déjà, mes larmes commencent à avoir une cadence qui me protège, même contre les ennemis qui tirent vite. Et ouais. Il est chiant parce qu'il se planque lui. Voilà, ça je m'y attendais. Ah là là, c'est mon Némésis ce boss. Hein. Voilà, parfait. Juste à 2 secondes de la fin quoi. Et j'ai pas l'Angel Room. J'aurais jamais. Hein. J'aurais jamais l'Angel Room. J'ai dit, on me l'a donné 100 fois, ouais. Oui, j'ai toujours une Angel Room par contre. Bon, les deux clés, vas-y, go. Ah, une blanque rune, alors ça, une blanque rune, je vais la prendre. Celle-là, je peux tout maintenant. Bercano, vas-y, bah, bourre les Bercano. Et attends, dans ce qu'on va faire, c'est que déjà The Star. Hein. Alors, plus lent. Ouais, ça me remet un. Ah, ça me met un 10, donc ça va, c'est pas. Là, ah merde, j'avais le magasin là. Évidemment, évidemment. Évidemment. Allez. Cette salle-là, c'est pareil. Hein. C'est la panique à chaque fois. Mais de toute façon, c'est Flooded Cave. Hein. J'ai pas de chance, je suis tombé sur des Flooded Cave. Ensemble. Par contre ouais c'est bien, c'est toujours des Angel Room. Alors en espérant un petit secret art si jamais je m'en tape une. C'est ça en fait, tu réussis une Angel Room, la secret art c'est bon tu vois. Et t'as ta run quoi. Après secret art ça rend tes larmes un peu lentes. Donc, mais c'est pas non plus le feu absolu. On va revenir, on va chercher le... perdu hein, mine de rien. Puisque en fait là je pour l'instant au niveau des filles je peux pas faire méga Satan, je peux pas faire des folies on va dire. Alors, on descend, non, on va à droite. Ah, quand ils sont deux c'est un peu chaud. Ouais. Quand ils sont tout seuls ça va mais quoi. Heureusement que j'ai ça. Hein. Ah, je gagne parce que j'ai le bookworm à un moment donc ça je prends un peu de d'avance. Magic Mush. Je vais l'éliminer parce que c'est lui en fait le plus fort. Les autres ils bougent pas vraiment, vous voyez. Faire gaffe de pas trop s'approcher d'un bord parce qu'il va popper sur le bord le plus proche de vous. Merci. Ah, ils sont pas dangereux du moment que... T'as tes larmes qui te protègent. Ah. Hop, en plus, pas rendu du dé. T'as vu ? Oh, fais gaffe si j'étais full life, mais il me semble que oui. Hein. Voilà, c'est vrai que celle-là, c'est la run où c'est juste on joue le perso nouveau. Et encore, je le bourre pas le perso, vous voyez, je garde bien les. Je garde bien mes cœurs en réserve. Pour bourrer sur la fin. Ça sert à rien de bourrer, faut jouer comme si on jouait n'importe quel perso. D'ailleurs, même quand je joue Judas de base. Bon, après, Judas, il est fort de base. J'évite de bourrer le Book of Bedial tout le temps. C'est lent. Oh, lent. Aïe, 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 c'est bon. Alors attends, on va tuer ces invocateurs là.
On va tuer. Donc des saloperies qui pètent. Les mouches, donc les mouches. Attends un peu. Bref. On va en bas. On va éviter la petite salle un maximum. Le doute m'habite. En fait, là, tant qu'on vole pas, vous voyez, les flooded cave, quand tu voles pas, c'est chaud. Avec un The Lost Watt, même si, bah, certes, t'as un perso qui est très faible, c'est la mort, quoi. Te mettre sur les champignons, tu peux... T'as pas de problème de déplacement. Gueux, puis scolar gratos. 50% de chance de revivre. Un objet de Guppy. Guppy qui, bon, nerf, mais... il reste quand même Guppy, donc le vol, les mouches. C'est pas négligeable. Donc on n'a pas de Devil Deal avec ce personnage, c'est plus dur d'être Guppy, je pense, par contre. Mmh. Moins de chance d'avoir des cœurs rouges. Des cœurs rouges, ça peut avoir... Left End qui nous permet... d'avoir... des cœurs, que des coffres rouges. Alors là, ça va être chaud. Ah, j'ai hésité. Ah, vas-y, je vais le garder, c'est un cœur entier. J'ai hésité sur le côté de l'esquive. Cool, cool. Thermite. Ah, on va voir avec la Black Rune. Pas le pire boss. C'est vraiment pas le pire boss. Et l'Angel Room dans le cul! Bon, toujours plus de tears. C'est pas mal. Attends, j'ai pas utilisé mon Book of Bengal encore, mais sans déconner, hein. Je n'utilise jamais mon livre. C'est un truc de marge. Après, le boss, il m'a tellement pas fait peur. Je pense que j'aurais plus les réflexes quand les boss défonceront le cul. Bon, évidemment, j'ai les étages les plus pourris, hein. La chance, il m'a pas attaqué, lui. Oh, je me déplaçais pas vite, hein. J'étais même pas à fond. Comme ça en fait. Ouais, faut se déplacer en diago. Ouais, j'aime bien ce genre de salle. Je crois que ça c'est un nouveau genre de salle. Jamais vu. Hein. J'en ai vu des streams et des Granny Zack. Mon petit. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Évidemment. T'as le vol, hein. T'as le vol là, t'es invincible dans cette salle. Et bah non. J'aurais jamais, hein. Mais ouais, 40%. Putain, en plus ça va, les pourcentages ils sont pas bas à chaque fois. Enfin, 15 sur 2 quoi, et ça me les donne jamais. Là il faudrait quoi, un Holy Mantle? Ah ouais, putain, un Holy Mantle dans la salle de... dans le gel room. Yeah. M'offrira jamais ce plaisir. J'invoque trop quoi. Ayo, blanc rune, c'est toujours. Tu t'en débarrasses jamais de la blanc rune. En spermatozoïde, merde. Oh, le dégât. Et les objets de dégâts, on m'en donne jamais. Il y en a vachement moins, j'en sais rien. J'ai l'impression que dans les temples, c'est. A pris cher l'apparition des objets de dégâts. On met un peu, ils vont pas m'attaquer tout. Ah, ils attaquent en diagonale donc. Reste en fait. Et... top ça. Les gars et du tears.
Donc, yes. On a 21 minutes, hein, évidemment, le boss rush dans le cul. Bon. Non, eux, c'est en diagonale. Hein. Tout en diagonale, c'est pas blanc. Ah non, sans feu. Retiennent ça, hein, parce que alors dans les flots de cave, tout ça, là, si tu regardes pas comment ça explose quand ça... Ouais, quand tu les touches. Bon, par contre, je sais que j'ai pas le boss rush, donc... Non mais c'est pas possible. Je bouge un petit peu. C'est vrai qu'on est attiré par... On veut esquiver. Alors que ça ne sert à rien. Esquive pas quoi. Reste où tu es. C'est incroyable les jeux des moments pour ça. Hein. C'est... On aurait pas bougé, ça aurait été nickel. Ah non. Cool. Oula. Non, magasin. Ah, alors ça c'est pas mal. Le dé qui est vraiment pas cher. Je suis qu'au 1, hein, donc. Ah. 25 balles, ouais, vas-y. On va de charger un peu. On a 12 d'avance. La charge de base. Et Darky. Zébardi. Guiche. Ah putain. Heureusement on va pouvoir reroll Guiche. Ah j'ai annulé sa larme en plein vol. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai tellement pas de dégâts. Heureusement que j'ai le Book of Medial. Ah putain, j'ai pas réussi à l'annuler celle-là. Moi je me fasse toucher là, bordel, je veux une Angel Room, je veux un Holy Mantle, pitié. Alors, pas de vie. Ah mes larmes sont grosses hein, parce que j'ai Aquarius. Hein. Et j'ai le Bookworm. Et l'Angel Room dans le cul. Cuisy. Easy, ça me fait 16 coeurs d'avance. Yes, on va pas au mausolée. C'est juste une route normale. Je unlock un challenge assez bizarre. Ah. Putain, tout à l'heure j'ouvre Twitter, je me fais spoil une des dernières zones du jeu. J'ai fait, mais non, je voulais pas la voir celle-là. Tu fais spoil la maison. Je suis dégoûté. Ah, j'ai juste vu là, j'ai juste vu le truc, hein. j'ai pas vu le jeu en lui-même. Hein. Mais dégoûté quoi. Je vais me faire toucher là, je l'aurai jamais cette putain d'Angel Room. Ah ouais, Bethany en fait elle est Angel Room tout le temps. Je me suis fait spoil, ouais, une partie fin du jeu. En gros, je me suis déjà spoil moi-même la musique. Élimine les petits parce que ils peuvent nous chercher les petits contrairement aux gros. Ça l'objet. Ah oui! Alors, oula, ah, j'ai eu un petit freeze. Les deux trucs les plus importants, ouais, bah ouais. En fait, après dans le trailer, là, le trailer que j'avais partagé là tout à l'heure, ils ont, tu sais, c'était le trailer de lancement du jeu, ça spoil un peu quand même. Allez, on prend ça. Oh putain de merde. Oh, sans déconner. Ah, ça va, c'est pas horrible, j'ai un bon tirate, mais bon. Ça rappelle un challenge ça, non? Oh là là, l'angoisse!
Après, ça me fait un bon bouclier. Hein. Bon, voilà, l'Angel Room qui part, évidemment. Et j'ai pas eu une seule Angel Room. Hein. Tu fais toucher. Allez, la run est foutue. On va essayer de la faire quand même. Où le dernier? Ah putain, je l'ai pas vu. J'ai foutu la run en l'air. Faut jamais prendre les curses et les blinds. J'ai l'impression que les blinds sont de plus en plus pourris. Et toutes les blinds que j'ai ramassées, c'est tout, ça a toujours été des objets de merde. Hein. Le problème, c'est quoi là? J'ai plus mon, là, mon bouclier gratos là. Voilà. Déjà que le jeu est dur, alors si en plus je ramasse les objets les plus merdiques du jeu. Ah oui, bah oui. Gazin en. Bon, on peut. C'est gratos. C'est le dernier magasin? Ah non, mais j'ai ramassé un objet pour avoir les magasins plus tard. Ah non, 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 c'est. Approcherai pas. La lime, c'est trop, ça serait trop bien là, dans ce genre de salle, tu vois, tu es pas emmerdé par les pics. Je vais les prendre là d'ailleurs. Et c'est quand même exceptionnel là. Faut pas esquiver. Et hein. Quand même triste hein. Perdre sa run à cause d'un objet. Un des pires objets du jeu. Hein. Ah, le pire c'est avec Brimstone. Même Brimstone il aime pas cet objet. Esquiver les larmes quoi, c'est horrible. L'avantage par contre. Ah, évidemment. Faut plus coller le pied de maman, ça c'est juste horrible par contre. J'aimais bien faire frontman avec le pied de maman. Ah j'ai l'Angel Room. Bah vu la reine de merde. Oh ouais. Oh là là. Ouais oh, c'est pas si mal hein mais. Est-ce qu'on pille? Ah ah! Les larmes sont ralenties! Faut toujours les prendre, les anges, on sait jamais. On augmente le pourcentage de chance derrière. Parti, hop là, allez. Bon, ça va, même si j'ai un build dégueulasse du coup maintenant, je peux peut-être m'en sortir. Ah putain, c'est un labyrinthe. Parti pour 100%, hein, je crois. Le fait que ça ralentisse les larmes, ça, c'est pas le pire objet que j'ai eu. Hein. Loin de là, mais c'est un build défensif, hein. C'est une run défensif. Hein. J'ai eu des objets à garder de la défense absolue. Encore?
ah bla 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 bla. Heureusement, il y a des challenges qui nous ont entraînés pour ce genre de situation. Le pétrifié de pops, même si on a vraiment beaucoup de... Ah, oh, oulala, dégage. Dégage. Fou le camp. Hi. Eh, ça va, regarde, ça se fait. Ça se fait. Ça, quand il se livre, on va voir comment ça se fait, mais ça se fait. Ici, je bourrerai peut-être un peu les cœurs. Isaac, ce sera pas trop. Et comme Isaac, il a un peu changé, hein, donc. On verra. Là, avec les piercing shots, ça te fait un truc en continu qui tourne. Ça serait pas dégueulasse, hein. Avec un piercing shot, bah après, de toute façon, tout ce qui est piercing shot, tech 0, pété. Ah, eux sont un peu chiants, mais justement, je peux me les taper. Taper la diagonale de l'angoisse. What? Ah, j'ai pas vu le caca! 8% c'est 100%. Voyons le positif des choses. Fasse gaffe au caca, mais c'est vrai qu'il y a des cacas rouges, les cacas rouges, j'aime pas. Là, heureusement que j'ai ma. L'autre là qui. Plus la vie des ennemis aussi parce que. On commence par le prendre et à lui derrière. Des poupes! Ah, c'est le rouge. Le rouge il charge beaucoup. Là, blablabla. Là, c'est bon. Hop, ah, une rune. C'est très généreux là. Yeah. Ah, l'orangera. L'orangera pour le chest, si j'arrive au chest. Ça a un peu de l'angoisse. Faut que je retienne la skin des mecs là quand il y a celui qui crache. Voilà. Ah mais je crois que si en fait ils sont en croix les autres. On ralentit. Ah ben. L'avantage de cet objet c'est que ouais, tu te mets derrière un rocher, tu peux quand même les toucher, tu vois. C'est vraiment l'avantage, mais bon voilà, c'est tellement. Il me faudra un tech kick, c'est que ça qui peut me sauver la run, enfin, qui peut me sauver de ce build. Un knif peut-être, un knif aussi. Faudrait que j'essaie de unlock Bethany, bah c'est super facile en plus. Enfin, tu fais une run Lazarus quoi. Run Lazarus jusqu'à It's Live. C'est même pas. C'est marqué beat the game machin, mais en fait c'est jusqu'à It's Live, hein. C'est même pas compliqué quoi. Ah ouais, c'est pour ça que j'essaie de mettre tous mes persos pareil. Après basta quoi. Moi j'essaierai de les bloquer. Oh bon. Ah, qu'est-ce que tu veux contre faire contre mon bouclier? Contre eux c'est agréable comme build. C'est un build vachement défensif contre eux, c'est marrant. Il est où? Ah il est là. Pour le toucher c'est horrible. Ah bah yes, il a popé sur une de mes larmes. Les larmes passent à travers les rochers quand même. J'ai envie de dire, ça aurait pu être pire comme objet. Hein. Ah non, mais pire objet sa race. On voit que j'ai absorbé des trinkets aussi, ouais, grâce à l'objet, là, mal. Pourquoi il veut pas ouvrir le truc?
Il est pas mal le challenge là où on prend tous les trinkets aussi d'ailleurs. Il y a un challenge qui est vraiment sympa. Hein. Et bah, tu parles, moi j'ai commencé avec, avec cancer et l'autre là avec les cornes qui te donnent du dégât. Donc j'avais déjà le build acceptable pour finir la run. Quoi. Ah c'est bon. On est full life hein, mine de rien. On est full life au monde. On veut une clé en plus. Ouais parce qu'il me faut au moins 8 clés. On pourrait changer de salle, mais moi j'aime pas laisser les salles en plan comme ça. On va y repasser, on fait retour. Contre eux, c'est un peu chiant. Quand t'en as mal, t'as envie de les repousser, voilà. Bien lire leur jeu. Hein. Où vont-ils passer? Tiens. Ah. J'en ai marre déjà. Quand t'en as marre du fight, il y a un moment, la petite bombe. Ah putain, non! Si c'est bon, j'ai assez de range. Oh là là, la range qui est juste bonne, quoi. T'es obligé de faire péter la porte sinon. D'ailleurs, tiens, putain, mais ouais, ça doit être horrible si t'as pas assez de range dans une salle comme ça, tu fais comment? In, ouais, il y en a des petits, non? J'ai pas d'en avoir des petits. Ça les repousse, heureusement, hein, les shielders, mais hop là, allez. In, j'ai pas besoin d'utiliser le livre. Ah mon pixel, ok mais il commence à être grand là le mon pixel. Et j'ai pétrifié de poupe, on en profite. Vas-y j'ai pas envie de le clear le... Ah quoi qu'à faire, attends. Pas besoin d'augmenter mon tir, car bleu. Alors pire boss, oui et non, parce que regardez. Attends, il faut juste que je fasse gaffe au... à eux là. Et en fait, ça c'est vraiment, j'ai le build pour pas être emmerdé avec ce boss. Ah ouais, regarde, là c'est agréable, hein. Un gros boss. Hein. Et depuis que j'ai mon truc d'Angel Room, là, mine de rien, tu peux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais l'arme qui te ralente, qui te fonce pas dessus tout de suite. Dégage. Ah merde. Il claque la gueule. Pinky, soyons plus petits. Ah oui, ça tourne encore plus vite. Ah oui, mais merde, c'était le premier boss, c'est vrai. Donc Pinky, c'est ok. J'ai même pas utilisé mon bouc obédial, mais on va dire on va utiliser là. Allez, avec l'Angel Room 2%, c'est 100%. Oh, si j'arrive à finir une run avec cet objet, appelez-moi monsieur, parce que... C'est le challenge que t'as jamais envie de faire, Tiny Planet, et là je suis en train de le faire sur une run normale. Ah, faut aller tomber de l'autre côté. C'est gratos, quoi. Ouais, je suis pas faible non plus, hein, mais par contre j'ai un objet de merde, quoi. Bon, le cœur de maman, c'était l'objectif qu'on avait fait. On avait perdu à la cathédrale, ça devient dur. La cathédrale, c'est pas aussi gratos qu'avant. Avec Cricket 7, ça. Ouah.
Ralenti. Ah mais ça les ralentit, c'est gratos. Isaac c'est pareil, je vais me mettre à côté de lui. Je vais lui coller le cul. Alors lui, voilà. On dégage les mecs là. Ça c'est une idée de Rayman ça. Dans Rayman qui avait des mecs totems comme ça, qui empêchaient les mecs. Hein. Il mettait un bouclier. Et les Magic Hood. Ça s'appelle un truc comme ça. Faut de l'hume. Ah, je sais comment... Ouais c'est ça. Ah non. Ah mais c'est pas grave, on s'en fout, y'a plus d'Angel Room maintenant. Donc ouais mes gars, Satan dans le cul. Les gars, Satan là, moi je le sentais bien là. Les effets encore pire que Brain. Ah ouais, possible hein. Après Brain franchement Brain il y a une fois où j'ai eu bah j'avais eu ça dépend hein. Brain tu peux enfin de toute façon tous les challenges tu peux les foutre en l'air. Après là les deux challenges que j'ai fait moi globalement les il y a deux challenges qui sont cool hein. Les deux challenges que j'ai fait moi Scatman et Picaron là sont vraiment cool hein. C'est le genre de salle où il faut bouger. Et avec ce but. Non. Alors ça, c'est la pilule qui me fallait pas. Ah, j'aurais dû hier aller mettre mes 6 quoi. Bon, là, j'ai la défense. Pourquoi j'ai piffé la pilule, le bordel. Tu ramasses la vie. Avec Bethany, c'est pareil, hein, ce genre de perso, si tu peux choper un petit Isaac Hearts. On va avoir un foulet. Mettez mes 6 quand tu t'appelles Bethany, que t'as que des cœurs rouges, t'as un peu les boules quoi. Après, tout dépend de la vie que t'as. Hein. Là, si j'en retrouve une, limite, elle serait presque rentable. J'aime pas eux. Des clés j'en ai. On donne encore donc c'est cool. Orangera. Orangera, je ne vais pas dans la curse. On va pas se flinguer. Je connais pas le numéro. L'appel qui vient de Lyon, mais... Ah, c'est peut-être pour mes yeux. On devoir le message. Faire après. Ah, mais c'est bon On avait laissé des cœurs ici. Vraiment, je regarde la carte. Combien de temps? 44 minutes cette run? Là, on tue un des deux là. Attaque mes larmes, tac 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 tac. C'est l'arme qui part dans les limbes. Ouf. On va laisser un message ou pas? R. Je connais pas le numéro, moi j'appelle pas. Ah là là, au secours. Faut vraiment que je tue les autres là. Homing.
ça va être gratos. Ira, jugement. Un swallowed pay. Ah mince, hein, moi j'aime bien, j'ai... ça me donne l'impression d'avoir plein d'objets là. C'est où Isaac là, Isaac là. Comment ça va être un grand plaisir avec Keeper. Keeper, c'est vraiment le perso qui me fait le plus peur encore. Bon, après The Lost, je pense que je vais mourir très très vite. J'ai vraiment hâte avec ces persos-là. Et The Lost, encore, t'as le vol, t'es pas lent, t'es pas... J'ai vu qu'ils avaient reskin Magdalene et Eve ici. Oh, Eve, j'aimais bien, moi. Là, ça m'arrête pas de la vie, on est presque full life. Hein. Ouais, on va être full là. Pas trop trop chiant, ils mettent juste des flammes partout, mais on peut les éteindre donc. Faire gaffe avec ces armes de merde. Repousser ta bombe sur toi si tu joues. Ah putain. Ah, là, c'est un peu l'angoisse là. What? Ah, merci. Ouais, je sais pas à quoi ça sert encore, on verra un jour. Oui. Attention, c'est parti. C'est vrai que c'est un peu le problème, hein. C'est que les larmes il met en mal une des trois quarts quoi. Mais bon, c'est pas grave. Oh putain, c'est vrai qu'il tire les lasers, faut que je fasse gaffe. Faut plus se mettre dans les angles. Faut plus se mettre dans les angles avec Isaac. Hein. Safe les angles. Ouais, c'est bon, hein. On peut faire comme ça aussi. Hein. Toi aussi, tu n'as jamais entendu la musique d'Isaac aussi longtemps. Ah merde! Allez, on va y ira. Le Book of Vertu. Je vais l'entendre. Attention, ira. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Parce que j'ai le... Oh le Zbleuet. Le Zbleuet, il va tellement... Ah ça, c'est bon, j'ai gagné. J'aurais tellement niqué mes gars, Satan. Ça je vais le prendre, les bombes je vais les prendre. Ah c'est vraiment dommage là parce que le Zbleuet est vraiment fort. On va clear avec le Book of Bedial je pense non et... Ah mais attends ça me donne deux charges. Ouais c'est deux charges. Ah mais je peux inverser avec mon Book of Bedial. Ah oui c'est vrai que j'ai le sac à dos. Ah mais c'est bon. C'est bon on a gagné. Ça va être pété là. Ah dégage. Ça tombe bien les mecs. Merde.
c'est ça. Invoque des petites araignées. Très bien. Ah, je suis content. Ah, je suis content, la run se passe bien alors que j'ai ramassé le pire objet du monde. Ah, mais hé, on est là pour s'amuser, on est là pour montrer les buts de la Phrodisiaque. Hein. Attends, j'ai pas encore gagné, hein, tu me diras. Ah, ouais, par exemple. Je vais le défoncer, hein. Les 16. Ah, le Book of Révélation! Oui. Ah, regardez! Ça me donne un petit feu follet. Un petit feu follet, comment ça s'appelle? On dirait un. Enfin, attends. On dirait presque un petit feu follet. Par contre, ça me fait un petit orbital protection. Ouais, les books, quand tu leur fais des. C'est vrai que la Bible, c'est pas mal pété. Book of Révélation, c'est pas mal, mais je préfère le Bédial, là. Franchement, moi, il me faut du dégât. Ah, la vraie question, c'est est-ce que ça me protège bien, ce truc? Ouais, c'est, en fait, c'est un peu comme le. Le book, la Bible, hein. Ça, c'est vraiment. Ça me défend vachement. Regardez les. What? Ah oui, c'est le viscose. Mais c'est mes veines là qui m'ont fait ça. Franks, ça c'est bien ce budget. Il faut vraiment que je trouve tout début tout de suite là. Un peu dur là. Yes. Poignée un peu. Ah, j'ai un peu peur dans certaines salles, je préfère utiliser un peu mon bouc obédial, j'en ai 18. Là d'ailleurs, en parlant de peur, ah, je les vois pas. Ah, c'est horrible. Cette salle, elle est dégueulasse. Hein. Pour toi. 5 heures. Une touche et je suis mort. J'ai utilisé Strength, hein, j'ai pas le choix. Hein. Ah. Strength qui m'a sauvé, j'aurais été mort sinon. Ah, c'est les pires mobs! Voilà. Mort. Pas contrôler mes larmes, je peux pas virer la bombe. Ah là là, mais c'est nul. franchement, j'étais au boss, je le défonçais le boss. Et ils m'ont mis tous les ennemis qui rush. Ah. Grave. Ouais. Par contre, ce que je ferais, c'est qu'en live, moi, actuellement, je fais ça. Je vous montre le maximum de trucs et dès que j'en aurai un peu marre, je ferai tout en off. Ouais, en fait, en live, j'avance pas, j'ai l'impression. J'avance jamais en live, de toute façon.
Donc il y a un moment où je ferai des trucs. Mais bon, voilà, les montrer le boss final, tout ça, ça fera que je fasse live. Ouais. Ouais, bon, c'est pas grave, on aura fait un objectif en plus, de rien. On aura fait Satan. On aura fait Isaac. Mais bon, j'aurais bien aimé faire le chess, quoi. Le chess, c'est ça. Bon, après, le chess, j'aurais 2-3 cases de le faire. Hein. Je fais tout le temps le chess, moi. On va refaire une Bethany, de toute façon.